Père Céleste, nous disons merci après-midi pour nous faire l'opportunité que nous avons grâce pour nous réunir ensemble. Nous connaissons déjà que nous avons besoin de communion fraternelle depuis avant la France du monde. Et ça fait qu'on a créé une institution ça, que nous avons l'Église. Il y a peut-être un monde dans l'interview qui dit que nous pas besoin de l'Église depuis une relation conforme avec bon Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'on dit. Dans la parole, on dit non pour ne pas abandonner l'Assemblée. Non. Parce qu'on est réunis ensemble, il y a un bagage spécial qui fait. Malgré nous vivons dans le monde qu'on y a qui, en plus le monde, c'est dans Internet qui prend service et nous comprenons qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Mais nous connaissons un bagage spécial, le nous réunis ensemble. Et nous remercions. Et nous avons senti ça. Même là, nous ne parlons pas avec l'autre. Nous encourager par la présence de l'autre. Nous remercions, Seigneur, pour l'église locale, pour l'institution à côté créée. Merci pour ça l'Église a fait dans toute société. L'Église en général, la société, c'est eux-mêmes, Seigneur, les problèmes qui campent avec le monde. C'est eux-mêmes, Seigneur, qui, quel que soit le moment de tristesse, au moment de joie, ils campent là. Les catastrophes naturelles, c'est eux qui sont premiers arrivés pour regarder qui j'aime le monde. Nous devons merci, Seigneur, côté sauvez-nous pour te faire nous. Fait partie de l'Église, de Jésus-Christ en général et l'Église locale en particulier. Aidez-nous, Seigneur, pour nous prendre, Seigneur, appartenance non, à l'Église locale très sérieux. Parce que, Seigneur, on connaît que le nous ensemble, comme ça, nous avons veillé sur l'autre, même là que nous n'avons pas dit rien. Nous sommes capables de marcher plus fermement avec le nous dans l'Église locale, le nous dans la communion fraternelle avec un groupe dans l'Église. Nous nous remercions pour ça. Nous prions au Seigneur pour chaque monde qui fait le déplacement après-midi. Je ne vais pas empêcher pendant que je suis dans la salle. Seigneur, pour moi, les gens, que la population qui est là après-midi sont une population qui est très jeune. Je me sens que j'aime bien l'âge ça. Je sais que j'aime bien la lutte dans l'esprit. Parce que je ne vais pas comprendre vraiment. Mais je prie au Seigneur de façon spéciale. Pour tous les jeunes, en plus, le monde qui est assemblé là, c'est jeune. Ou bien teenager, ou bien c'est un monde qui est dans 20 ans. Nous prions au Seigneur. Révélez-vous avec eux de façon spéciale. Pas que de Seigneur que le monde là râle yo. Le monde là n'a aucun côté sérieux qu'il est capable de mener nous. Autre que vers, Seigneur, souffrance qui va le causer par toutes sortes d'immoralité et recherche ça qui n'a pas gagné un plan pour la vie nous. Nous prions, Seigneur, dans le moment ça, poser main. Non seulement sur nous tous dans la salle, mais sur jeunes yo en particulier qui nous mettent en après-midi, Seigneur. Moi, je sens, Seigneur, que au grand travail qu'on veut faire avec vous. Et nous prions, Seigneur, on va. Bah, onction c'est l'esprit on va Seigneur remplir avec cet esprit pour capable faire travail ça pour l'autre génération hein, joindre des hommes et des femmes conséquents qui veulent servir tout bon vrai et qui bah au Seigneur la vie yo, pour yo servir yo. Et en retour Seigneur le fait chercher face le fait chercher royaume nous connais Seigneur va déverser bénédiction en abondance sur même nous merci pour contrôle Seigneur jeunesse ça particulièrement jeune ça qui est dans l'église en un moment ça poser sauve sur même si beaucoup sauvé et Seigneur remplis avec l'esprit yo c'est prier nous après-midi en Seigneur aidez-nous pour comprendre parole aidez-nous Seigneur pour être ferme dans foi chrétienne nan, quelle que soit la difficulté qu'a gain et pour la difficulté non monde ça Jean que nous ouais là Jean que l'a venir épargner au Seigneur souffrance qui capable accompagner Seigneur avec façon monde pas vivre dans monde ça. Bénis-nous, dirigez-nous, Seigneur, pouvoir a besoin. Nous connaissons nos jeunes, Seigneur. Jeunes, en général, besoin, Seigneur, éducation. Pouvoir, Seigneur, a besoin ça, Seigneur. Nous ne connaissons si c'est financièrement ou autre, mais nous prions, Seigneur. Posez mes provisions sur eux-mêmes, pour éducation, pour santé, Seigneur, pour besoin de base que vous êtes capable de gagner. Nous vous remercions. Et aidez-nous, Seigneur, pour faire une différence dans la société, ça. Nous nous remercions, Seigneur, pour le ministère de Calvary Chapel. Nous nous remercions pour ça que vous avez fait dans mes temps. Non? Oui, Seigneur, vous pouvez promettre nous une vie chrétienne sans difficulté. En fait, vous dites, nous dans le monde, ça, nous avons bien tribulation. Mais aidez-nous, Seigneur, pour nous affronter tout ça qui va venir dans la vie, ça, avec courage. Parce que nous connaissons que nous ne pouvons jamais quitter nous, nous ne pouvons jamais abandonner nous. Ou toujours là avec nous dans le moment de difficulté. Yo. Aidez-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, pour ne pas questionner bonté à cause des difficultés de la vie, mais pour nous juste remettre nous encore davantage à nous-mêmes pour pouvoir faire ça qu'on voulait avec nous. Parce que le plan qu'on a pour nous-mêmes, c'est un bon plan.
son plan de bonheur. C'est ça que parole dit nous dans Jérémie 29. Nous prions au Seigneur, on va déployer plan ça devant nous individuellement et devant ministère Calvary Chapel. Donc on est Seigneur, oui nous gain Seigneur, il y a une année tout neuf qui devant nous avec toute difficulté que l'a mené. Difficulté en plus. Mais nous prions au Seigneur, va diriger nous. Pour qu'on ait qui route pour nous faire, côté pour nous mettre des pieds, non? Qui ça pour nous faire, Seigneur? Parce que nous ne pouvons pas faire travail, pas non. C'est travail pour nous faire. Bah, nous esprit de sagesse, bah, nous esprit de discernement, nous tous, Seigneur, nous assemblons ça. Nous nous remercions. Pour qu'on reste service dans le Seigneur, nous prions, Seigneur, pour tout le monde qui est affecté par le 12 janvier, pendant que nous avons la veille, jour qui commémore le 12 janvier 2010. Nous avons des gens dans la salle qui sont victimes, des gens dans la salle jusqu'à maintenant, Seigneur, qui ont marqué sur le corps, marqué. De ça qui est passé dans le 12 janvier. Aidez-nous, Seigneur, pendant que nous avons célébré le jour, ça, demain, si Dieu veut, pour ne pas quitter l'esprit de dépression, passer bon côté, non. Mais pour nous juste dire merci, que 7 ans plus tard, que nous sommes là pour nous témoigner de ce qui est passé. Il y a un peu de monde, Seigneur, qui n'a pas témoigné de ce qui est passé parce que nous avons passé, Seigneur, dans notre vie. Mais nous-mêmes, nous sommes là. Parce que nous avons un plan pour nous-mêmes. C'est parce que nous avons une tâche qu'on gagne pour nous accomplir dans le monde, ça, qui fait que nous vivons. Et nous disons merci. Poser mes seigneurs de paix sur nous-mêmes pour nous capables de la paix dans le cœur. Non. Tout le monde, Seigneur, surtout le monde qui est victime dans le 12 janvier, ça, ben, la paix dans le cœur. Aidez-vous pour continuer à faire confiance davantage. Au fur et à mesure que nous avançons, Seigneur, nous vivons encore plus pour nous éloigner de jour ça. Nous prions aussi un moment ça. Pour tout le monde, Seigneur, qui, jusqu'à maintenant, même les pas de gagner qui arrivent, mais sont traumatisés dans l'esprit. Poser mes de guérison, Seigneur, sous pensée. Posez mes de guérison, Seigneur, sous maille, sous cœur. Posez mes de guérison, Seigneur, sous l'esprit. Aidez-vous, Seigneur, pour traverser, Seigneur, pour traverser étape ça. Pour juste laguer dans mes totalement, entièrement. Aidez-nous, Seigneur, pour ne pas oublier tout. Un peu de monde qui a oublié ce qui est passé. Nous ne voulons pas oublier. Nous voulons, Seigneur, continuer à changer ce qui est passé. Pour nous capables de dire merci. Côté épargne, nous. Mais pour le cadeau, merci tout que mon famille nous combat des païens, Seigneur, que vous êtes capable de libérer nous de traumatisme. Ça y est. Nous merci pour ce qu'on peut faire dans la vie, nous-mêmes qui étions vivants toujours. Nous prions pour le gouvernement pays, ça, qui gagne, Seigneur, pour le nouveau gouvernement qui gagne, Seigneur, pour établir le 7 février. Nous prions pour le gouvernement sortant, pour le gouvernement qui va venir. Aidez-nous, Seigneur, aidez le gouvernement, ça, Seigneur, pour faire une transition qui est souple. Pour Seigneur, pour la rien pas bouleverser. Nous, jusqu'à maintenant que la rien un peu bouleversé. Et des gens qui dans la rien, Seigneur, pour apprendre, Seigneur, qui sa démocratie veut dire. Il y a des gens qui ont perdu, il y a des gens qui ont gagné. Pour nous accepter, pour nos pays continuer à aller vers l'avant, parce que nous n'avons pas qu'à camper. Nous nous remercions, Seigneur, que l'élection a été finie en bien. Et nous nous remercions pour l'autre élection qui va être faite pour nous, pour la Chambre des députés. Et pour les sénateurs. Nous prions, Seigneur, pour la sécurité, nous prions pour la paix pendant la journée. Ça. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ce qu'on fait dans la vie, nous. Merci ça pour ce qu'on fait dans la vie ministérielle. Nous prions pour le monde dans le sud, dans le moment ça. Surtout Jérémie, que dans le rapport que nous jouons dans la semaine, que Jérémie est réellement mal. Que en pile aide qui te promet pas arriver. Et en plus de ça, que chenille a dévoré jardin mounio parce qu'il n'y a pas d'oiseau qui vont manger chenille. Nous ne connaissons pas plan ça pour nous-mêmes. Mais ça, c'est plan que péché gagne pour nous-mêmes. Nous prions au Seigneur. Aidez-nous pour nous repentir en tant que nation de péché nous. Pour nous capables d'entrer dans le plan pour gagner pour nous-mêmes. C'est prier nous prions. Dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et tout le monde, bonsoir. Nous comptons ouais, nous songer demain si Dieu veut, c'est 12 janvier. Côté. Nous avons songé ça qui est passé dans le jour ça. Donc, il y a des gens qui sont victimes. Et il y a des gens dans la salle, je ne connais pas tout, mais il y a des gens que je connais qui sont victimes. Donc, je prie bon Dieu que nous ne pas quitter la dépression pour nous. Pendant tout ça, continuez à faire bon Dieu confiance. Jusqu'à maintenant, quand vous marchez avec vous, quand vous protégez vous, continuez à faire confiance. Nous avons Juge, chapitre 21. Je dis, on a précisé fini Juge. Pour mercredi, si Dieu veut, pour nous faire 8. Nous devons commencer l'année avec 8, mais c'est pas le volonté de bon Dieu ça. Si c'est pour la première fois qu'on visite nous dans Calvary Chapel, ce qui caractérise nous, c'est étude parole bon Dieu. Nous étudions parole bon Dieu livre par livre, chapitre par chapitre. Si vous avez une question pour nous-mêmes, vous avez toujours email, nous avons
gen deux emails moi connais qui dans boîte moi longtemps et puis moi pour jamais répondre parce que moi connais mes réponses là dans fichier moi pas aller faire recherche encore c'est fichier pour me chercher pour me envoyer une c'est sur le sabbat en attendant nous regarder Hébreux chapitre combien c'est 4 je crois qui parlait de sabbat un peu fait nous connaître que sabbat c'est un repos éternel que lieu c'est pas un bagage que n'a fait constamment bien que tout principe que nous avons dans l'Ancien Testament est bon pour nous. Pas un jour, répit, dans la semaine, est bon pour Santo. Mais ce n'est pas un bagage de religion que l'on nous-mêmes, nous faisons la paix avec le Seigneur. Une fois qu'on fait la paix avec Jésus-Christ, on rentre dans le repos de sabbat éternel. Même Jean bon Dieu, tu rentré dans le repos de sabbat éternel lui-même. Bon Dieu, tu as créé le monde en 6 jours, et puis il dit le 7e jour, il repose. Mais il n'a pas tourné le travail dans l'autre jour encore. Il est fini le travail. Il n'a pas tourné le créer rien encore. C'est même pas là pour moi aujourd'hui. Hein. Nous entrons dans le sabbat, c'est dans le sabbat éternel que nous entrons. Sabbat à vie. Sabbat a à voir avec salut, moi et ma veuve. Une fois que nous sommes sauvés, nous n'avons pas besoin de faire effort pour nous sauver encore. Et comme si effort pour nous sauver en fini, nous arriver, nous sauver. Donc c'est ça que bon Dieu veut faire, nous connaître. Songez, au réel l'église là, le mercredi, nous réunissons à 4 heures pour la prière. Et à 5 heures, nous avons servi ça. Donc nous avons prié tout à l'heure, nous avons servi ça. Nous réunissons tous les samedi et dimanche, samedi à 5h de l'après-midi et puis dimanche 7h du matin et 9h du matin. Nous voulons faire nous songer que le ministère des dames, il a rencontré chaque 4e vendredi du mois. Le ministère des hommes, c'est 2 fois par mois eux-mêmes. Donc, je vais songer qui vendredi que lié mais nous avons brûlé Jacques au 2e vendredi. Chaque 2e vendredi, ok, pardon. Je rencontre chaque 2 vendredi, je connais pas c'est 2 vendredi par mois. Je connais si c'est premier, si deuxième, si troisième, si quatrième, mais 2 vendredi par mois. Nous avons les numéros que nous avons dans le feu. Sinon, intéressé venir dans le ministère, ça que m'intéresse ces garçons et puis venir là-dedans. Je connais que ces garçons qui sont durs. Ah oui, nous connaissons ça, va, oui, monsieur. C'est là ça pour nous dire Amen. Monsieur répond, ah oui. Monsieur, c'est difficile, c'est vrai. Nous dis ça que. Mais la meilleure problème pas mais monsieur plus difficile monsieur plus immoral monsieur plus brutal monsieur plus et c'est pas vrai monsieur m'attendez amen non amen. C'est vrai dans la pénitentiaire là on vient 4000 combien garçons qui dans prison dans la pénitentiaire nationale ou à quoi de bouquet on vient l'autre 2000 combien qui dans prison et puis dans tout le ça combien filles total dans prison dans pays pas même gain 300 et garçons environ 10000 donc pas que c'est préjugé gain contre garçons qui fait mettre dans prison comme ça. Parce que c'est parce que moi ma voix nous baille problème. Et à vous monsieur. OK. Nous gagne bon quoi c'est trans nous gagne baptême vendredi, samedi pardon 28, souffle la paix avec le Seigneur, changer prochaine étape c'est le baptême. N'a font une révision rapide et puis n'a fini avec chapitre 21. Notre Père céleste nous merci pour parole. Parole là pour transformer nous, parole là pour convaincre nous, parole là pour corriger nous, parole là pour instruire nous. Parole, c'est constitution la vie nous. Aidez-nous pour nous faire parole ou importance. Aidez-nous pour nous méditer sur parole ça, pour nous lire, pour nous méditer sur parole ça. Mais ce qui est plus important, aidez-nous, Seigneur, après-midi et dans le jour qui va venir, pour nous croire parole, pour nous capables de vivre parole. Si nous ne pas croire, nous ne pas appliquer. Et si nous pas appliquer, si nous pas vivre la parole, nous ne pas joindre bénédiction. Un peu de monde pense que bénédiction, c'est dans rituel, dans religion, mais bénédiction, c'est dans l'application de la parole. Aidez-nous pour nous appliquer la parole. Aidez-nous, Seigneur, pour nous avoir un cœur constamment reconnaissant envers nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous avoir un cœur qui va questionner la bonté. Aidez-nous, Seigneur, pour nous avoir un cœur qui est toujours en communion ensemble avec nous. Communion, non seulement par ce que nous avons fait dans la vie, mais par le moment que nous passons avec nous, dans l'intimité, dans la prière. Dans la communion une avec l'autre. Parce que nous attachés dans le même pied bois, dans le même Seigneur, corps là. Nous devons merci. Aidez-nous après-midi, Seigneur, pour nous comprendre la parole ça un peu, pour nous apprendre un peu de nous-mêmes, pour nous apprendre un peu de nous-mêmes, le nom mettez miroir parole en face, devant Dieu nous. Nous devons merci, Seigneur, pour tout ça qu'on a fait dans la vie, nous, individuellement. Et nous devons merci, Seigneur, même pour des moments de difficulté que nous avons, parce que dans les moments de difficulté, nous apprenons. Pour nous faire confiance. Nous apprendre, Seigneur, pour ne pas faire même erreur encore. Nous te remercions.
Aidez-nous, Seigneur, pour nous continuer à faire confiance. C'est prier, nous, après-midi, hein, dans toute difficulté, dans tout problème qui a gagné dans le monde déchu que nous vivons là-dedans. Dans tout problème, toute difficulté, tout tracas qui gagne dans le pays, qui sont pays sous-développés que nous vivons. Aidez-nous pour nous, malgré ça, pour nous faire confiance. Pour nous larguer, corps nous, âme nous, totalement, entièrement bas au même. Parce que l'esprit nous est en connecté avec nous. Nous nous remercions, nous prions. Dans le petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous commençons dans le chapitre 19, qui sont seules leçons que lié pour nous-mêmes. Nous trouvons une histoire qui est très drôle. Côté, il y a un lévite. Lévite, c'est un monde qui est dans le ministère à plein temps. Donc, il est marié avec un prostitué. Prostitué retourne dans la prostitution. Et prostitué quitte la caille, il tourne dans la caille. Et monsieur allait chercher la caille. Nous trouvons un pile fait qui est très étrange. Petit message, non, oui, nous devons sur l'écran, nous dit immoralité engendrer crime. Pour ça, parce que nous devons le lévite, ça a tourné la caille, il était passé dans la zone Gibea et puis. Li pat li te besoin côté pour dormir moun ki te recevoir là pas capable défendre contre moun dans ville là qui te besoin prendre monsieur pour te abuser sexuellement parce que te gen des homosexuels dans ville ça et yo te vle prendre monsieur pour yo abuser les gens que nous dans Sodome et Gomorrah dans histoire ça et monsieur te fait yo bagay qui très étrange encore. Il y a plein de choses qui sont étranges. Nous avons énuméré quelques faits étranges pour même premier fait étrange que nous dit, c'est Lévite qui est marié avec prostituée. Parce que Lévite, c'est un monde qui dédie ville au service du Seigneur. Et pourtant, il est marié avec un monde qui a gagné une vie. Sans je te explique bien, ce n'est pas pour dire que bon Dieu, pas en affaire avec les prostituées ou bien les homosexuels, bon Dieu remet tout le monde. Mais le bon Dieu prend le monde et le transforme. On montre dans la prostituée, on montre dans l'homosexuel, bon Dieu prend, on le transforme, on connaît aller entre dans le royaume, on marie avec moun. N'importe moun qui est dans le royaume, n'a pas de problème dans ça. Mais Lévite, lui-même, il marie avec moun qui était dans la prostitution toujours. Le moun qui est un problème, qui est un fait étrange. Et puis, ça qui est étrange, c'est que monsieur lui-même, lui, acharné pour aller chercher dame dans la caille toujours. Ça, nous devons être un bon signe quand même, de bouffer de mari au mari net, c'est bon Dieu. Donc, monsieur allé chercher dame dans la caille. Et l'heure était à passer une nuit là, dans la ville là, et puis il était cherché à abuser sexuellement. Nous avons eu un préjugé qui était fait contre la femme. Côté, monsieur te dit, au lieu pour ce monsieur qui a abusé, qui a abusé mesdames plutôt. Et ça a fait jusqu'à maintenant dans la société. Il y a un problème, en général, c'est fille avec Timoun qui est toujours victime de ça. Nous avons fait étrange tout, c'est que le peuple d'Israël, bon, j'étais baillé commandement pour être toujours hospitalier, ça veut dire accueillir mon lakayo et pas de gagnon qui devait recevoir monsieur et vienne malheur ça vienne river monsieur. Nous t'ouais que violence soufi li fait en général dans monde qui dans entourage fait ça. De ça veut dire en tant que chrétien moi ma veux surtout ces garçons qui fait violence soufi plus. Moi avoir en tant que chrétien faut nous analyser la vie nous pour nous même est-ce que nous avons des caractéristiques ça, qui sont caractéristiques du monde. Je me dis, bon Dieu, merci, j'ai 29 ans de mariage, je ne sais pas si je me bousculer madame ou bien je frappe elle-même. Je ne sais pas si j'aimerais ça. Mais je fais violence verbale, je m'admets ça. Ça, je ne sais pas fait, mais ça, c'est qu'on fait. C'est violence liée à tout. Et pas violence physique seulement, mais violence. Il y a des choses qui disent au monde, ou qui tout décroché mon nom avec la vie. Je ne sais pas ça. Donc, il faut nous suivre les choses ça autour. Nous voyons les Nations Unies, nous avons parlé de ça, les Nations Unies ont fait. Il y a une note passée en 2016 pour le faire connaître que une femme sur chaque trois dans le monde est victime de violence physique ou bien sexuelle. Ça veut dire un tiers fille sur la terre victime. Une sur chaque trois. Donc ça veut dire, en général, il y a des gens dans la salle. Si nous avons fait mon lever meilleur, comme nous n'avons pas fait ça, la prière c'est confortable, mais on a pourrait avoir peut-être une fille là dans la salle qui est victime de violence. Et bien, il y a une fille dans la salle quand même là qui est victime de violence. Non, mais il y a un garçon. Et en général, Mario, parce qu'en 2012, il y a dit chaque deux filles qui mourent par cause de violence sexuelle, une là-dedans, c'est le partenaire qui fait violence à eux. Ça aggrave. 50% dans le monde, dans les filles qui mourent à cause de violence sexuelle, ou bien même les séparés qui fait violence à eux. Donc, il faut moi avoir en tant que garçon. Comme si garder pour nous essayer de ne pas faire
tout ça que nous avons pour nous régler, que l'heure d'amener en Israël. Yo. Nous te parlé de ce qui passé en venir graphique, il est venu seulement graphique, mais il est dans les yeux tout le monde. Mais c'est ça qu'on a vécu qu'on y a sous barre ça. Quelqu'un qui doit qu'on y a dans le monde, tout dans internet, on entend des gens qui, ouais c'est la petite on l'examine et puis le filtre. Quel autre monde qui a fait le ouais image ça déjà? Gain État islamique. Internet. On voit les films et le tout pendant que on était parlé de télévision, jeux vidéo, billboard, phone surveillé. Jeu de télévision, un jeu vidéo que Timon doit pour que jeune yo yo veut sous réaliser ça. Avant le petit jeune même ou que là ouais monsieur dans 14 15 ans la puberté pour qui ça à cause de ça qu'il a regardé dans télé que monde vient applaudir bagarre qui mal plus que bagarre qui bien soit regarder média bon mauvaise nouvelle net aller. C'est rarement que j'ai une bonne nouvelle dans les médias. C'est rarement que j'ai un petit monde en Haïti qui fait l'école ou bien qui réalise ça. On va pas faire ça. C'est crime, c'est gangster, c'est gang, c'est. On va dire que c'est comme ça que le monde plus a parlé de eux-mêmes. Donc, il y a une graphique. Pendant qu'on a parlé de ça dans le 20e siècle, Escobar, qui était colombien, qui était un gros drug dealer, nous même le. La police allait pour arrêter les peuples, pas de vle baile. Parce que monsieur Bambouyo, dans million de millions, monsieur baile là-dedans. Ça fait ici tout en Haïti. Il y a quelques côtés en Haïti, côté qui tient avion descend avec drogue. Les descend comme ça, il y a des gens dans la zone qui ne sachent pas. Et puis, le monde vient prendre drogue là, il prend la même monde, il achète la même monde encore. Donc, c'est façon pour yo protéger tes têtes. Donc, le monde sait même, il y a tant de kilos pour tirer avion, ça a venu. Vous comprenez? Et le petit avion vini, si la police a vini, moun yo ap défendre petit avion. Donc, kon y a la moun, kon y a la vini ap bay gloire nan sa ki mal. Bon, tu te dis non sa tout, nous te sa nan l'aide d'affaire pour fête mineur yo. Bon, tu te dis qu'on le kap rive, comme si c'est jour kap vini nuit, et nuit ap vini jour, bagay ap vini devant derrière. Mais un bagay étrange encore que nous te wè, c'est que 11 tribus sa yo met tête yo ensemble. Y'a les combat tribu Benjamin, côté moun yo fait sa ki mal là. Non seulement société sa, t'as pas applaudi mal là parce que il pas voulu remettre monsieur. Et c'est là que nous avons un petit message là. Petit message là dit que immoralité ça conduit vers criminalité. On ben immoralité mène un crime. Pour ça dit ça parce que immoralité non car dans plusieurs sens là mais le yotement des coupables si société pas applaudi immoralité hein, il t'a remettre coupable. Mais puisque il t'a applaudi immoralité hein, il pas voulu remettre coupable. Eh bien, qu'on y a là, toute société a subi. Nous, presque tout le monde dans le pays a mouru à cause de le fait qu'il a été approuvé en scène immorale, ça a été fait. Parce que 11 tribus viennent liguer contre le tribu Benjamin et ils ont tué. C'est 2-3 grains de monde qui étaient là-dedans seulement. Bon, l'autre fait étrange que nous te voyons encore. L'autre fait étrange, c'est que 11 tribus israéliennes pour combattre le tribu Benjamin qui a fait immoralité. Ils ont demandé, bon Dieu, si vous êtes allé, bon Dieu dit oui. Et puis, l'heure arrivée qu'on y a là, et puis, c'est mon ami qui est victime dans mes mondes Benjamin encore. Ça n'a pas fait sens du tout dans la logique humaine, non. Il n'a pas fait sens. C'est comme ça, le monde qui a fait bien, c'est les victimes. Mais bon, je montre que nous avons ça pour une raison. Qui est le plus victime qu'on y a dans la société? C'est le monde qui a fait bien qui bien. C'est le plus victime. Le monde qui a fait bien qui mal, il n'est pas tellement victime, non. Il est plus fou et maintenant proche, le monde qui a fait bien qui bien. Comprenez, vous connaissez que les gens qui parlent dans la bataille, parlent dans la situation, ils ont profité d'exploiter. Les gens qui sont criminels, parce que les gens qui parlent de la calée, ou parce que les gangs qui parlent de débarquer quand ils connaissent qui sont gros criminels liés, qui ont pile d'âmes la calée, qui ont pile de gens qui ont protégé les biches, qui parlent de la bonne monde. Non, les gens qui ont protégé lui-même. Mais les gens qui ne sont pas protégés, les gens qui connaissent, qui ont plus de gens, en pile de gens qui ont pris, c'est les gens qui sont jeunes, les gens qui sont parents, capables de dégager la classe moyenne. On va dire dégager, mais ce n'est pas monde qui est riche, ce n'est pas monde qui gagne bonnes âmes, ce n'est pas monde qui gagne monde qui protège, ce n'est pas monde. Là, on prend un bon grand nègre qui est capable de correspondre avec eux, ils joignent. Ah ouais, nous avons un monde qui est en prison là, parce qu'il était kidnappé, deux mondes qui ne sont pas kidnappés, deux mondes qui gagnent, un monde derrière.
comprenez? Et qu'on y a moun sa qui n'appelle ça dans la prison. Donc c'est moun qui dans la classe moyenne non, c'est moun qui a fait à qui droit tout dans la classe moyenne non, qui plus victime de ça qu'a fait. Et puis le fois moi voler nous ça nous pas comprendre. Même mille comprendre bagage c'est que mais me dit ça en 2016. Me dit ça en 2016 moi réussi comprendre même dit non opinion pas mais et bah ça la Bible pas mettre le noir sur blanc. Même bien comprendre pour ça un peu Jésus-Christ a choisi la croix. La Bible fois on a demandé pour ça c'est la croix Jésus était choisi pour le sauver. Pour ça pas choisi un autre moyen. Pour ça Jésus était besoin de vivre une vie qui pauvre. Donc, c'est ça, Jésus vit sur terre comme un monde qui est pauvre. Il vit dans une famille qui est pauvre. Il a présenté le temple, il a dit pour un monde qui est pauvre, c'est un petit pigeon pour vous bailler. Et même si un petit pigeon le débaille. Ça veut dire, le monde est pauvre. Mais quand vous comprenez, non? Le Dieu créateur de l'univers, Jean Noël dans 1 Timothée 3, 16, qui dit non, Dieu t'est venu manifester en chair. Il dit non, Dieu t'est cru dans le monde, Dieu t'est glorifié, Dieu t'est élevé dans la gloire. C'est Dieu qui t'est venu. En chair ça. Dieu vient dans le monde créé et il choisit le monde qui est pauvre, la famille qui est pauvre, c'est la donne que l'on vit. L'on finit par son vie de souffrance. Ministère Jésus-Christ, l'on a regardé, il passe le ministère qui a un succès. Il y a un pile l'église aujourd'hui qui a plus de monde là-dedans que le monde qui a marché derrière Jésus-Christ. Vous comprenez? Et on a regardé lui-même qui est bon Dieu. Et l'on finit même en pile dans le monde qui a marché derrière lui, c'est eux-mêmes qui a crié, crucifie-le. Tout il. Vous comprenez? C'est comme si vous pas il pas semblé qu'un succès ça le faire et c'est bon Dieu il choisit souffrance il finit encore il choisit la croix pour ça mais nous comprenons pour ça parce que vie chrétienne il y a souffrance là-dedans et la Bible dit nous ça il dit nous tout le monde qui veut vivre pieusement dans le Seigneur qui ça qui a besoin persécution yeah. Bon Dieu connaît ça imaginez si bon Dieu te vient vivre il connaît ça m'va le vivre il connaît ça on va le vivre en tant que chrétien. Et puis lui-même, il vient avec un gros roi, plein corps, plein bagage, on a protégé, si ça bon, et puis il fait ça pour le faire, et puis il sauve le monde, et puis on prend un chariot prendre avec une lame de feu, et puis il monte dans le ciel l'aller. Moi, avoir subi ça, c'est mon d'abord chercher. On va chercher même vie en tout, même modèle, non. Jésus-Christ, c'est vie ça a besoin. Ou est quoi que ce n'est pas vie ça a choisi, gain monde c'est vie ça a cherché quand même. Et bien que bon Dieu a choisi, oui. Bon Dieu choisit humilité, il choisit modestie, il choisit souffrance. Et pourtant, jusqu'à maintenant, il y a un pile de monde qui n'est pas d'accord ça. Il n'y a pas d'accord avec la vie de Jésus-Christ. Il dit non, l'or chrétien n'est pas supposé malade encore. Il est supposé gagner un pile de cobre. Et puis, il fait ça pour une bonne doctrine qui n'est pas biblique. Et bon, il a choisi la croix parce qu'il connaît qu'il a souffert. Il connaît qu'il y a un pile de fois, même moi, ma voix, même quand on a une souffrance là-dedans. Mais souffrance là, à l'autre côté, souffrance pour ma voix, il n'est pas inutile. Songez, bon Dieu, qu'il vient venger nous. Là, nous étudions l'Apocalypse, songez ça. Livre Apocalypse, non, toute vengeance nous est dans Apocalypse, non, libre de nous venger, la venger les saints, les sauver, pour toute souffrance que nous avons subie dans le monde, là, bon, j'ai venu pour le juger. Mais pour l'instant, il dit, c'est pas autant ça. Qu'on y a assez de moments à voir pour nous souffrir. La tribulation va arriver dans le monde, là, période de 7 ans de tribulation. Nous avons souffert pour qui ça? Et pas parce que nous sommes gens termes, qu'on dit masochistes. Masochistes, ça veut dire que ce monde a fait être mal. Nous pas masochistes. Parce que nous avons souffert pour le monde, pour les yeux qui ont ouvert. Nous avons souffert pour le monde. Nous avons expliqué petit peu ça en l'air. L'autre temps, ça a peut-être 15 ans, non? 15 ans, mais peut-être 15 ans. Et puis, nous avons expliqué le salut. Nous avons expliqué le salut tout le temps. Nous avons expliqué le salut en l'autre fois encore. Et bien, il est sur son me dit, imaginez que nous en vient, nous avons une route. Nous avons tous les deux une route. Mais une route, là, ça a gagné après, c'est une grosse falaise, de boutons belles, pas qu'à vivre. Mais une route, là, fait noir ou pas, ouais. Et bien, tout ce route là m'a convaincu nous pour ne pas faire route ça, mais non pas d'accord avec nous. Et bien, tout ça me dit pour me convaincre, nous me dit non, fais volte face et dans l'autre direction pour aller, nous pas attendre, nous pas ouais, avancer, n'a pas avancer, n'a pas avancer. Me dit à la dernière minute, les moi n'a tombé dans tout, tout bon pour nous mourir. Pendant nous pas tomber, me t'en râler non et puis me pousser nous prendre place non et puis pour me pousser nous aller c'est moi qui aller me tomber dans tout. Me dit est-ce que n'a continuer même chemin toujours là ça? Je dis, non, on va continuer le même chemin. Parce que nous avons un sacrifice là. Mais ça, bon Dieu fait. Les mois avant nous finir de sauver, nous ne pouvons pas retourner dans le monde là encore si nous comprenons bien ça, le salut. Les nous faisons volte face à ça, nous ne pouvons pas retourner dans le monde là encore. Parce que nous comprenons le sacrifice de Jésus-Christ. Eh bien, même Jean Toukonya, nous avons sacrifié nous-mêmes pour nous sauver l'autre monde toujours. Parce que Paul dit, qui en pile monde, quoi ça doit. Paul dit, souffrance. Que m'a fait là, c'est souffrance m'a ajouté sous pas Jésus-Christ là, m'a fait achever.
Vous comprenez? Et ça, moi, on a fait la tour. On a fait achever la souffrance de Jésus-Christ. Là. Jésus-Christ vient souffrir pour ouvrir les yeux du monde, mais les yeux ne pas ouvrir tout le temps physiquement, pas souffrir devant. Tout le temps physiquement, pas faire sacrifice. Là, on a sacrifié pour ne pas comprendre. Juste à l'effet dans le bateau Titanic. Là. Bateau Titanic, là, t'es un bon chrétien qui a un gilet de sauvetage. Mais t'as évangélisé le monde dans le bateau, ça. Un bateau qui pas doué couler, et votre bateau en coulé. Et là, coulé, qu'on y a, il pas coulé d'un trait. C'est au fur et à mesure qu'il a coulé. Tout chrétien qui a un gilet pour te sauver tête, il a retiré le gilet, il y a un monde qui peut faire la paix avec le Seigneur. Je ne sais pas comprendre, non? Je me demande, mais pourquoi ça n'a fait ça? Il dit, nous-mêmes, nous avons nous parler déjà. Nous avons la vie éternelle, la vie nous assurée. Nous voulons nous-mêmes, nous avons une chance. Pour nous entendre des messages d'évangile là. Parce que nous ne pouvons pas croire nous-mêmes. Ils sacrifient la vie. Et ils ont monde, ils ont écrit un livre après ça. Ils disent que bah, ça a tout menté. Ils disent qu'il y a un monde capable de faire un sacrifice comme ça pour un monde qui ne même connaître. Ils disent que le monde qui verse là ne connaît pas. Et puis pour le prendre, pour le d'accord prendre la mort en place, moi. Et puis pour le dire, c'est au nom de Jésus-Christ qu'il fait ça. Quand il y a l'homme qui sorti, quand il y a là, monsieur finit sauvé, l'autre monde a mouru, le chrétien a mouru, monsieur sauvé. Bah, il a tout menté. Monsieur dit qu'il faut comprendre qui ça a pour son monde faire un sacrifice comme ça. Je cherche à comprendre pour qui ça. Monsieur fait la paix avec le Seigneur. Je dis à monsieur son pasteur qui est libre. Pas je dis, ça qui est passé, mais monsieur qui est mort tout lui-même. Mais il est évident un pasteur dans la ville. Et il écrit le livre ça pour encourager l'autre monde pour comprendre le sacrifice là. Le village nous sommes de sacrifice que lui. Comprendre ça. Bon, Dieu va dire non pour nous chercher. On prend souffrance. C'est pas ça qu'on a fait. Nous allons chercher souffrance. Mais la souffrance dans la vie, nous apprenons avec courage. Depuis, ce n'est pas péché, nous avons fait nous souffrir. Il y a un monde qui a péché, nous avons souffrir. Là, c'est répandre son besoin. Mais si ce n'est pas péché qu'on fait souffrir, c'est parce que qu'on vit une vie qui est droite, une vie qui est propre, dans un pays qui a tellement besoin de modèle, ça qu'on y a là. Pays, ça a besoin de modèle là en pile. Eh bien, le nous souffrir dans ce sens-là, il faut nous connaître, c'est pour bon Dieu qu'on a souffert. Et bon Dieu, pas oublier, bon Dieu, prendre note. Amen. Juge 21, verset 1er, on a poursuivi pour terminer. C'est suite chapitre 19 et 20. Il dit non, les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant, aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. Le peuple en vint à Bethel, tant j'ai Bethel, deux mots, maison de Dieu. Et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes. Et ils dirent, ô Éternel Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Songez, langage là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a Benjamin qui est sauvé. Nous avons été quelques Benjamin qui ne sont pas morts. Mais ils ont tué mille, des milliers de Benjamin, 20 comme 1000. Mais il y a quelques graines, quelques centaines qui n'ont pas morts. Mais comme si la tribu n'a pas existé encore, parce que chaque territoire, c'est un bon garçon qui est. Donc, il n'y a pas de filles pour continuer à peupler, pour repeupler dans la zone Benjamin. Donc, c'est comme si la tribu n'a pas existé encore. Verset 4. Et songez au verset 1er, dit pas gain yon nan l'autre mon Israël yo k ap bay petit yo marié avec un Benjamin. Ça dit si pas jeune fille pour marier pour peupler, y a nèg de bio mourir et puis y a pas gain descendant. Donc monsieur dit un peuple dit bon Dieu pas gain un tribu ça manqué qu'on y a en Israël. Verset 4. Le lendemain le peuple se leva de bon matin, ils bâtirent là un autel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent, quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment, ou bien un vœu solennel, contre quiconque ne montrerait pas vers l'Éternel à Mitzpah, on avait dit, il sera puni de mort. Donc ils font un premier vœu, a fait deux vœux, disons, premier vœu en chapitre 21, verset 1er, ils disent, aucun n'en petit finon pas marié avec un Benjamin. Deuxièmement, ils font l'autre vœu qu'on y a tout le monde qui va monter à Mitzpah, côté qui est là, qu'on y a, côté qui vient devant l'Éternel, pour y avoir l'action de grâce, pour y dire merci. Ils disent, le monde qui n'a pas monté, n'a pas tout. A fait deux vœux. Verset 6. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient, aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Là, c'est qu'ils sont en faute. Ils font vœu, mais qu'on y a, qu'ils ont fait mal. Maran se reprenne, qui a fait mal, il vient faire vient Dieu qui a fait mal. Verset 7. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes? Il dit donc, y a-t-il quelqu'un
d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpa. Même question de poser déjà. Et voici, personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple, il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galaad. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre: allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad avec les femmes et les enfants. Donc il dit fait bon Dieu, on veut, puisque M. Sao pas venu devant, il n'y a pas venu bonne gloire, on a pu trancher. Il va bon Dieu, moi, Dieu fait ça, non, mais ça c'est eux qui fait vœu. Verset 11: voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ouais, il dit, nous ne pas tuer tout le monde. Il finit de tuer tout, il a dit, nous ne pas tuer tout encore. Comme si nous sommes de la guerre. Je ne sais pas si c'est quoi ça, le monde fait accident. Ou fait accident, c'est le roi qui est en mode de la guerre. Il dit, allez, pas aller. Et puis, où est-ce que nous sommes? Ou pas aucun extrême qui n'a pas bon pour vous. Ou pas ni camper, ou pas ni river que de vous. Non, c'est beau pour frapper. Donc, l'offre, vous m'avez fait ou bien pas fait. Verset 12. Ok. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp à Silo qui est au pays de Canaan. Donc, ils ont fait tuer toutes, ils n'ont pas tué toutes. Verset 13. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galaad. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Donc là, ils ont violé vœu. Songez, bon Dieu, pas demandé nous pour nous faire vœu. Nous parlons de ça déjà, le nom de Deutéronome, chapitre 23. Nous avons lu verset encore. Que bon Dieu, pas demandé pour nous faire vœu. En plus, on ne peut pas réaliser ça. Deutéronome 23, verset 22 à 23. Mais si moi fais vœu devant l'Éternel, il faut me respecter. Je ne comprends pas la différence. Non, bon Dieu, pas demandé pour me faire vœu. Bon Dieu, pas demandé pour me promettre les uns. Mais si je me promets les bagages, il faut que je me fasse. Ça arrive déjà. Et quelqu'un même là, quand il est en piège, ça déjà. Je ne suis pas en piège, je me continue ça. Peut-être que quelqu'un qui a pas connu l'histoire, mais je me fais bon Dieu en vœu. Je détiné Dieu. Je vais à Lagonave. Je ne vais pas voir un tonton qui était en mission à Lagonave. Il était en mission avec une mission wesleyenne. Et puis, Malé Well. Il y avait nous deux qui étaient en Well. Moi, avec un frère. Lorsqu'on a retourné, bâton était non seulement surchargé, parce que côté de Mchita, dans le bateau, on m'a demandé de l'eau dans la mer, là, comme ça. Donc, il était très chargé. Et puis, il est arrivé au fond de la mer. Au fond de la mer, il y a gagné en pile vague qui empêchait d'avancer avec force que l'avait allé. Et puis, monsieur, pas de gaz et gaz, il est tout fini. Il a fait effort à la mer, gaz fini. Et puis, il y a l'âme qui a commencé à venir plus fort. Et puis la rempli, de côté Mchita, m'a demandé de l'eau la mer déjà, et puis de l'eau a rempli, encore l'a fait rentrer, puis fond. Et puis là, je ne parle mourir tout bon vrai. Je pense que tout le monde a la prière, il y a monde qui a chanté, il y a monde même, c'est dépalé, il y a des bon, dépalé, ça, je ne pense pas que ça. Dans tout dépalé, il y a tout, mais quand il y a un pas, je ne pense pas qu'il dit, c'est l'agrime, elle est mourir, je ne sais pas. Il dit, zone, ça n'a pas besoin de requin comme ça, requin, on te dévore, grime, elle là. Il me dit, quête, il requête pas le dévorer là. Il me dit, Seigneur, on fait un deal. Il me dit, ouais, mène bateau en mon oui. Et puis moi-même, l'homme grand, m'a promettre la vie, au bon pour la prédication de l'évangile. Deal, Seigneur, il y a un problème. Il va demander un deal pour demander. Et il demande, Seigneur, prend soli, il faut appeler soli, top, Serge, deal. Et puis il me sortit, vraiment vrai, nous arrivons, monsieur, tu es en voile. Voile n'est pas capable, pas en forme, mais il vient monter voile là, et puis vent, l'âme, il prend voile là, il mène à un côté, nous tombons mon oui. Bon Dieu, rempli de liens, nous tombons mon oui. Et puis nous mon oui, et comme si me dit, bon Dieu, même ça, Betafia, nous connaissons Betafia, là, oui. Et comme si me dit, c'est Betafia. Nous connaissons Betafia, là, oui. Il dit, Betafia, c'est on chat avec un sourire. Vous comprenez? Sourire, là, tombe dans Doum Tafia. Lui ouais l'ap noyé et ce chat tap courir d'elle, dit chat la mettez me dehors, les mauvais dehors, m'a quitté manger. Chat la dit bégé ça un bon deal. Comprendre tant que to mourir gaspiller puis to comprendre ou vienne faire nourriture pour moi. Li pour on boit, li mettez dans la pour sourire, n'est capable monter, sourire dans monter chap 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 et puis rentrer dans trou. C'est bien sourire dit bon ça fait là,
au fin bam mo ou dit si me sauve ou quitter me manger il dit c'est non doum tafia il me dit ou t'es déjà ouais ça son bête tafia comment va un ex sou comment donc et ça me peut l'éternel il me dit bon Dieu ah c'est ouais bête tafia bête de l'olamé avec et puis bien vague mais faut me dire que bah ça pas jamais bam mon tiré puis dans la vie me quand le soir m'a dormi bah ça a tourmenté c'est comme si me coupable me senti me grand culpabilité parce qu'on y a vraiment vrai l'aime pas même teenager il pas rien parce que me dit c'est l'aime grand mais quand l'aime bien grand qu'on y a me grand m'a travail bah la nuit me venir marier bah la nuit comprendre bah la tout m'aime en fin de compte ça m'a obligé faire moi non conforme et bah là donc bon Dieu pas m'a donné vœu mais l'offre fait vœu avec l'Éternel on va accomplir autrement la boire quelques bâtons et il dit pas de faire vœu. C'est au même qui demande. Deutéronome 23, 22 dit non, si tu t'abstiens de faire un vœu, ok, si vous ne pouvez pas faire vœu, tu ne commettras pas un péché. Ouais, bon Dieu, clair. On dit, moi, je ne vais pas faire vœu, moi, baba. Bon Dieu dit, ou pas péché, relax. Il va demander de faire vœu. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Volontairement te faire, bon Dieu, pas de force au faire, c'est au que tu veux faire, mon faire, bon Dieu, prends très au sérieux. Et tout en bas, accompli vœux ça, la vie me tape tête en bas. On connaît faire cette première année de vie mariage, moi, c'est une vie de misère que l'on a. On connaît madame, attendez là, qu'on est en internet, là, on voit, est-ce qu'il est en voyage? Et cette année de misère. Vous connaissez que la solution a commencé? L'homme range causé avec l'Éternel. En 94. Et puis automatiquement, il a commencé à bien soir, douce. Parce qu'on y a un plan. Un plan que bon Dieu, que le dégain pour moi-même. Non. Verset 1, nous te voyons, monsieur Babay Petit. Verset 6, nous voyons que a changé l'idée. À cause de sensibilité, à cause de émotion. Bon Dieu, pas venir aller sous émotion, ça qu'on dit, hein, c'est pour accomplir, autrement on va payer ça. De notre temps, moi, je suis coupable dans le sens ça, toujours dans le sens que, dans quel sensible, en plus, fois, je suis victime de ça. Que, bon, bagaille, ouais, que bon Dieu a enseigné mon bagaille, et puis, même, j'ai une sensibilité, ouais, mon a passé misère. Regardez les fois que tu as passé misère, moi, je comprends, l'image de la prière. Je dis, non, histoire, hein, Steve le juif, qui est venu là, et la poursuivi toujours parce que l'Irem est venu là. On va lire, mais l'église, hein. Il dit, il est venu l'autre jour, que le grand petit garçon qui quitte l'église. Il va appeler sa vie, bon Dieu encore. Il a prié pour lui, mais monsieur, lui-même, c'est vagabond à faire, c'est drogue, c'est un bon macacrinette. Mais l'aile rageur, il est tourné la caille. Le sabon, il va jamais mourir. Monsieur, il a 20 ans. Mais chaque fois qu'il tourne la caille, c'est le bal pas bon pour lui-même. Le bon Dieu a mis de la tête. Et puis, lui-même, il n'y a pas qu'il bon Dieu mettre de la tête. Donc, il continue à faire ça l'affaire. Et puis, quand il dit, bon Dieu, il y a une révélation. Bon Dieu dit, suspend by M. Cobb. Et puis, là, ça arrête tant de résultats. Ou bien M. mourit, ou bien M. est en prison. Et puis, M. dit, madame, ça, papa, M. Cobb encore. Madame, il y a une sensible. Il dit, non, bon, petit livre, c'est égal. Il dit, papa, le Cobb encore. Sauve les petits ou en sauver, papa, le Cobb encore. Il n'y a pas M. Cobb encore. Madame, il n'y a pas papa, le Cobb encore tout. Et puis, M. Kounia même qui vient rager, mon Dieu, papa, le Cobb. Là, le volet. L'entrée dans ce temps-là, là, le volet, comme moun. Et puis, il y a tout qu'un bel. Il y a tout la gueule de prison. Quand la gueule de prison, États-Unis en général, lors de la prison, on est capable de venir, les pays ont caution. Caution veut dire, il y a un cob, et puis il y a une date pour tourner, venir voir juge, pour ne pas besoin faire tout le temps en prison. Ou qu'on arrête un jugement là, car c'est un gros crime. Et qu'on y a là, il y aurait les papas pour venir payer caution pour lui-même. Monsieur dit, quête! Bon Dieu finit de me faire en prison, qu'on y a mal payé caution. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il fait 4 minutes dans la prison toujours? Monsieur parle, il dit, monsieur fait bon 4 jours, comme elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait 4 minutes dans la prison? Même si il a dormi, il est venu en prison. On connaît dans une nuit, dans un jour, monsieur est dans prison, et puis il y a un prisonnier, bah, monsieur l'évangile, et puis monsieur accepte le Seigneur. Ou est-ce que monsieur a payé caution pour lui tout de suite, il met le dehors? Il n'y a pas monsieur l'évangile. Qu'on y a monsieur servi, bon Dieu. Parce que il faut qu'il tombe côté bon Dieu, il veut la gueule pour le apprendre. Parce que bon Dieu, quand on numéro au pied de chaque, il y a un côté pour nous mettre non pour nous repentir.
Mais si chaque temps on pas arrivé au même et pour ou retirer le même ou pas remel non même petit monde à plusieurs fois gon côté m'a privé parce que mon monde fait bagarre que m'pas d'accord avec Simon si vous n'encore pas brûler là il dit mais si on a brûlé dit ah qui t'a brûlé pour la prendre non m'pas d'accord ça il dit qui t'a brûlé pour la prendre non m'pas arrivé là mais avec Simon gan pile fois tout Simon a forcé de bagarre faut qu'il la prendre regardez le autrement l'a toujours a tourner dans même bar là dans même bar ou fait deal ou deal ou deal il va le faire gon l'heure faut qu'il le paye conséquences pour capable connaître que pour capable apprendre on connaît ça difficile. Parce que pour ça que c'est difficile, mon pas le dire que ou pareil même mon parce que si mon a critiqué ou parce que mon a grand attente de même et puis attente là pas satisfait. Ou mais bon j'ai pas dit non que les gens faire nos droits tout pour d'apprendre non. Bon j'ai pas jamais dit non ça. Au contraire, leur faire droit c'est persécution qu'on a tiré sur. Quel mon connaît qui dit même notre travail côté le fait que c'est un employé qui pas voler son problème que lui. Magan se comprend? Parce que l'autre côté tout pour voler ou même pas voler. Même l'on pas dit rien. Mais il est inconfortable à voir qu'il a. Il veut des choucos dans le travail ça. Pour qu'il soit à l'aise, pour faire ça faire. Parce que il n'a pas jamais pris ça. Il dit, on l'a dénoncé tout. Il y a un problème à voir. Et même l'école n'a pas dénoncé, même il est juste inconfortable à voir. Il dit, bon, ça monsieur pense lié là, ça dame ça pense lié là, lui-même. Man, tu comprends? Donc, aucun problème. Son problème que lui. Verset 15. Verset 15 là. C'est même ça, on a dit en tout, il y a senti qu'il y a un cas sensible. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'Assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent, que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant « Maudit soit celui qui donnera une femme à une benjamite. » Il a dit ça, mais il était en fait déjà. Il était en train une bonne femme par monsieur déjà, dans mon Israël qui n'est pas venu adorer avec eux. Donc, il était en violé ça déjà. Verset 19. Et ils dirent « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au bord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem. » Et au midi de le Bona, verset 20. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Mon Dieu, comprenez, depuis comme ça violer bagayo, kounya la ça fait là kounya là, il y a kidnappé petit monde kounya, mon Dieu, comprenez, il a kidnappé ngio là kounya. Bon, depuis ou a violer ça qui droite, ou a fait bagarre avec plus mal kounya là. Et en général, on fait bagarre qui plus mal toujours. Donc monsieur dans kidnapping, parce que c'est pas là kidnapping sorti là, oui. Si c'est ça, les mauvais dans ciel, m'a gagne problème avec monsieur ça. Verset 22. Si leur père ou leur frère vient se plaindre auprès de vous, nous leur dirons, accordez-les non, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous seriez coupables. Ainsi, firent les fils de Benjamin, ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils bâtirent les villes et y habitèrent. Dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun de sa tribu et de sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. Qui j'en chapitre l'infini, qui j'en livre l'infini, verset 25, en façon qui pas conforme à volonté de bon Dieu, en façon qui pas fait bon Dieu plaisir. Qui ça dernier verset a dit? Le dernier verset a dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est un mauvais bagage, lui. Ça veut dire que son pays qui n'a pas de contrôle. Haïti, c'est quoi ça, le Konya? Même là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que nous avons un roi. Parce que le roi n'a pas tellement existé encore, Konya. Le roi n'a pas existé tellement, c'est le président. Mais même là, nous avons un président, son pays, côté, monde fait ça, vous voulez. Le monde fait ça, vous voulez. Maintenant, je parle avec un monde qui a parlé de propriété en Haïti. Terre, les gens achètent terre. Ou bien, ils ont un emplacement pour le bâtiment. Ou pas jamais fin acheter terre pour en paix. Pas quand se comprendre non? Ou pas jamais en paix. Mais pour ça que le pas changer.
Parce que il y a un monde qui pas veulent comme ça, il y a un monde qui remet des ordres là. C'est comme si nous pas de gouvernement vraiment vrai, chaque on a fait ça en bande ça qui gros nèg. En bande ça ça gros nèg yo capable faire. Et pas un monde qui a dit rien de ça. OK, moi gagne un bail qui passe dans l'église là puis j'étais obligé dans tribunal. Mais il m'a regardé parce que me connait au tribunal États-Unis tout. Et m'a regardé comparaison. Il dit ah, nous pas gain pays vrai. C'est un conseil de moi qui fait dans le tribunal. Comme si les gens qui font dans le tribunal, si c'est les États-Unis, ils ne peuvent pas sortir dans le tribunal. Prison direct. Parce que la loi a une force. Ils ont appliqué. La loi a toute force. Mais ici, c'est comme si vous sentiez pas de protection. C'est comme si vous sentiez que je suis rentré en Haïti en 91, mais aux États-Unis, je m'étudiais pendant 5 ans après que je suis en Haïti en 91. Et c'est 91, il veut venir par coup d'état ici, mal carré encore, fait me tourner aux États-Unis, mal vivre aux États-Unis, là ça. Mais pas jamais attention, aller vivre aux États-Unis. Mais là, vous venez 91, me songez. Après, un coup d'état ça, pays en quoi époque juge. Et avec tout le monde fait ça, vous voulez. Donc, je me vais 40 ans, même, il dit, ah, et bah, il te connaît un oncle là encore. Il me dit, non, qui j'ai, il explique. Comprendre, mais qui j'ai payé, mais qui j'ai payé, pas rien de loi, pas rien de ceci, pas rien de ça, tout n'est pas gonègue. Donc, il dit, même soit mettre gonègue sur ou pas vivre. Et puis, il dit, maman, toi, qui j'aime mettre gonègue sur. Et puis, il entre en contact avec moi. Zam, on reconnaît ça, c'est le film qu'on a fait ça. Toute qualité de Zam, je dis, prends yon, choisis yon, maman, toi, qui j'aime pour utiliser. Donc, si ça vous a parlé, je ne sais pas de quoi, je me dis, mais si je m'entre ça là, avec madame, je me dis, madame, il tout fait crise cardiaque sur moi. Il a tout fait crise cardiaque et je me dis, ça m'a même tiré. Vous comprenez? Donc, c'est dans le monde ça qu'on a vivre. Mais nous n'avons pas de décourager, non, peut-être ça. Vous comprenez pour qui ça? Moi, je suis persuadé quand même, malgré les difficultés du pays, malgré les problèmes qui viennent, je connais bon Dieu plan quand même. Bon Dieu qu'on plan. Bon Dieu dit le gain, le gain. Mais moi-même, avant, c'est nous pour ranger, non, pour nous entrer dans le plan. Est-ce que c'est facile? Non, c'est facile. Et comme je ne me dis longtemps, je me dis, que pour plan ça exécuter, il y a quelqu'un qui a obligé de faire la vie. Vous avez compris ça? Il y a quelqu'un qui dit, papa, je suis contre visa, je suis toujours de me laver. Oui. Et je pense que si quelqu'un qui a obligé de faire la vie, c'est moi, avoir chrétien, qui plus, qui a répondu présent. Et bien, oui. Même si quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un gilet de sauvetage, parce qu'il connaît la vie éternelle, lui-même. Quelqu'un qui a sacrifié, qui n'a pas besoin de mettre. Moi, avoir, nous, qui a fait ça. Qui j'en ai pas fait? Moi, pas connais. Et pas qu'il y ait ces gens qui mènent tout en altitude tête non pour l'éternel, non. Et l'éternel qui vous donne ça pour faire vous-même. Vous comprenez? Ça, bon Dieu dit, me fait, sacrifice que je fais, pas obligé pour là. Chaque monde qui sacrifice pas. Chaque monde, bon Dieu, qui a parlé avec vous. En plus, le monde qui fait des révélations, moi, je dis, merci pour me montrer que je fais mal élevé avec elle. Mais je ne peux pas attendre aux révélations de monde si bon Dieu pas confirmé, même pas parler avec moi d'abord. Vous comprenez? Et petite limite, tout. Pour savoir si tu as besoin d'un message, on va dire qu'on y a la bonne Dieu, fait quoi? Elle est catholique, elle passe par maman Marie pour parler avec le monde qui a besoin de parler avec elle. Tu comprends? Non, bon Dieu, parle avec directement. Même si nous parlons avec elle directement, tout. Nous n'avons pas besoin de passer par Marie, par Joseph, par aucun monde. Nous parlons avec mon Dieu directement. Et mais bon Dieu, parle avec nous directement, tout. Sacrifice pas, pas obligé de sacrifice pas. Même si tu as souhaité que vous mettez disponible dans le bon Dieu. Parce que, ou quand ça passe, que vie sans sacrifice là. C'est le plus facile pour vous, et pas nécessairement vrai, non? Ou bien, priez bon Dieu. Même si vous avez dit, bon, ah, moi, je suis venu à la tête, je suis parti. Je vous songez l'histoire d'âme, ça, après 12 janvier. Tout pour nous jeter, et puis jeter le tout le même, il était une famille Chili, et puis là, le Chili, ça arrive Chili, pour lui, une semaine plus tard, ça arrive Chili. Goudou, goudou, encore. Je vous comprends, non? Vous comprenez? C'est pour le bon Dieu pour maintenant. Bon Dieu, toute la terre, c'est pour bon Dieu. Moi, je ne suis pas même d'accord pour dire que soit à Bethesda dans tel pays. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le bon Dieu doit ouvrir. Vous comprenez? Toute frontière doit ouvrir. Pour moi, vivre quand vous voulez. Vous comprenez? Mais quand vous voulez vivre là, je m'en demande si c'est volonté. Si c'est volonté, bon Dieu, moi-même, volonté, bon Dieu, pour moi-même, si vous me détachez pendant l'époque, je ne peux pas comprendre ça. Moi, je force ça, bon Dieu. L'an 86, je suis résidence, je ne voulais pas partir. Eh bien, Jean-Claude Duvalier fait me bâtir. Je ne comprends pas, non? Jacques Duvalier vient partir et puis payant vient tête en bas, mon a tué, mon dans la rue, des choucages, comme si vie, puis
tout le monde là quand moi frère monsieur tout le temps aller États-Unis c'est moi seulement qui veux rester ici qu'on y a tête chaud après lim et dire au moins faut rentrer pour prendre pour qu'on en paix et comme si me forcer aller m'aller les moi vie balan tête en bas en Haïti toujours me dit bon t'es moi de l'école vers 5 ans me gradué en septembre 91 même septembre me gradué moi en août en septembre me devait en Haïti 30 septembre arrêté pour coup d'état laisse ça me dans un job dans valeur nationale. On va travailler dans lundi, dimanche, je vais à Rissi d'aller. Mais on se comprend, non? Et comme si ouais, comme si payant pas vrai là-dedans, mais pas payant, non vraiment. Bon bagaille, bon Dieu, t'es vraiment prêt. Donc on pour ça, moins content, j'ai bon Dieu opéré. Parce que je me regarde que j'aime tab vivre là dans l'époque ça. Qu'on n'y ait pas de petit seulement, on tab gain. Mais on se comprend, non? Et m'ta gain, pas même qu'on est même. Mais on se comprend, c'est mon de vie, ça m'a pas le mener là. Bon Dieu, et pas aimé. On va limiter mon côté, non seulement ça pour les parents ça, mais de mon côté de limiter des hommes et des femmes sourds, moins qui servent bon Dieu, tout bon vrai. Nous avons ce monde qui servent bon Dieu, tout bon vrai. Les mauvais États-Unis. Et puis qu'on y a venu, waouh. Comment, moi, on a notre façon de vivre. Nous avons pris tout leader, c'est mon capri de la fête aussi. On va me dire, non. C'est notre bagarre qui m'a gardé là. Bon Dieu, j'ai besoin de moi, bah, ça y est. Bon Dieu, quel plan? Plan parle. Et pour le dépasser mon côté, pour venir là avec mon corps, plan pour m'accorder côté la passe, si c'est en France, si c'est aux États-Unis, si on va m'accorder. Mais si c'est plan pas, c'est pour sacrifier, pour payer ça à changer, ou pas besoin de peur. Parce que plan bon Dieu, toujours un meilleur plan que vous avez gagné pour la vie pour. Amen. Songez ça. On analyse la vie, non? Et on soumet la vie, non? Au Saint-Esprit de Dieu. Cause aveuglement spirituel en Israël, c'est des péchés. Et. Il y a un chapitre qui a montré clair, et nous allons donner trois chapitres que nous finissons là, mais dans tout le livre, l'encensé. Au fur et à mesure, il y a bon des prophéties sur Jésus-Christ. Ça veut dire que ça, solution au problème, non? Et Jésus-Christ. Notre Père Céleste, nous remercions pour parole, nous remercions Seigneur pour le livre juge, côté qui était pour nous comme exemple, pour nous connaître que nous devons organiser nous en tant que société. Parce que nous ne sommes pas organisés, nous, tout le monde a fait ce qui semble bon en Dieu. Mais ça qui semble bon dans chaque monde, est déterminé par, est influencé et déterminé par égoïsme, par la chair et nature, non. Nature, la chair, non. Son nature de péché. Et le pape marché. Aidez-nous, Seigneur. Portons cet esprit pour nous organiser, non. Non seulement dans la vie, non. Individuellement, maintenant, ministère ça. Pour nous gagner plus l'ordre, plus discipline dans ce qu'on a accompli. Nous prions encore pour les jeunes qui sont dans la salle, en pile jeunes dans la salle, Seigneur. Par un esprit pour apprendre. Pour capable, Seigneur, développer don, talent, kobayo, au point de vue éducatif. Et l'autre don et talent, kobayo, Seigneur, dans l'autre domaine. Pour capable glorifier nous. Nous disons merci, Seigneur, que vous choisissez nous pour nous servir dans la capacité que vous mettez nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous larguer nous dans la main, totalement, entièrement. Aidez-nous pour nous apprendre à souffrir. Aidez-nous pour nous apprendre, Seigneur, sacrifier. Pour bien-être l'autre monde, pour le salut, pour la sanctification, pour le monde manger, pour le monde qui a l'école, pour le monde qui a un emploi décent. Seigneur, pour vivre dans un pays décent. C'est pour nous prier dans le petit de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. On nous camper ensemble pour capable terminer. Ce que j'appelle le mien. Oh, le Père n'est là, personne ne sait, Dieu n'en reprendre rien. Oui, pour tout Seigneur, oui, pour tout Seigneur.
Bonne soirée, bon Dieu bénis nous.